C'est vrai que c'est assez hallucinant ce que je fais. C'est vrai, mais... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non, quand on réalise des vidéos, on n'y passe pas beaucoup de temps. Tout le monde me dit tu dois y passer des mois alors qu'on n'y passe que quelques jours, voire quelques heures. Tu sais, faut dire que je maîtrise et c'est facile quand on a du talent. Et j'ai du talent, j'ai énormément de talent. Et par contre, on a beaucoup d'images et on ne peut pas tout montrer malheureusement. Désolé. Ouais, la séquence où je shoote la bombe de peinture sur le skateboard, non, j'ai pas réussi du premier coup, je vais pas vous mentir. On a fait deux prises et la première fois ça m'emmerdait parce que j'avais pas posé le ballon sur le skate. Donc on l'a refait naturellement. Quelle que soit la séquence, c'est la question qui revient chaque fois. Est-ce que tu réussis tes tirs du premier coup? Non. Des fois, je rate. Ouais, c'est vrai qu'on me demande souvent si j'ai vraiment voulu viser les couilles de mon caméraman. Donc je suis pas débile, je sais que ça fait mal de tirer dans les couilles. Donc j'ai visé juste au-dessus, tu sais, j'ai tiré vers là. Et encore, il a eu de la chance parce que je l'avertis. Arrête Rémi, t'es trop loin là! Je vais pas viser la canette, je vais viser tes couilles! Quel connard! Ça m'arrive de leur tirer dans la gueule sans rien dire, juste parce qu'ils sont pas concentrés ou en tout cas que je ne les sens pas concentrés. Oh,
le plus compliqué, c'est de leur tirer dans la gueule sans toucher la caméra. Parce que c'est ma caméra. Enfin, si c'était pas ma caméra, je m'en foutrais, mais là, c'est ma caméra. C'est moi qui paye, c'est mon matos. Oh, ça va la caméra? Tu sais, quand je leur tire dans la gueule, c'est pas par plaisir, hein. C'est quand même mes potes, mais Mais faut voir comme ils filment, putain, c'est... Alors une fois, c'est la balle qui sort du cadre. Il filme en contre-jour. Il y a des zooms, tu sais pas pourquoi. C'est vrai que je déconne en disant ça parce que on travaille en équipe et je suis bien accompagné. C'est même pas des caméramans, c'est surtout des amis. Ils me suivent le jour, ils me suivent la nuit et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup en tournant des vidéos de foot. Et par contre, ils sont exigeants. Et ça, ça m'emmerde qu'ils soient exigeants. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y en a un, il préfère quand je fais des talonnades. Donc pour lui faire plaisir, je fais des talonnades. Yana, il aime bien quand je fais des rebonds, juste avant de toucher la cible. Donc pour lui faire plaisir, je fais un rebond. Et l'autre, il aime bien quand je fais une talonnade suivie d'un rebond, tu sais, avant de toucher la cible. Donc, je fais la talonnade avec le rebond. Et tout ça, c'est pour leur faire plaisir, tu sais. Parce que moi j'en ai rien à foutre après tout, hein. C'est pareil, hein. C'est du pareil au même. Mais si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Je leur donne du spectacle, je leur offre ce que je sais faire de mieux, de la magie. Et c'est un peu leur salaire, tu sais, parce que ils sont pas payés pour ça. Ils sont pas payés pour ça, donc c'est ça l'amitié, je leur fais plaisir, tout simplement. D'ailleurs, quand je vous parle de mes caméramans, qui sont aussi mes amis, hein, je vous l'ai dit, je vous ai dit aussi que, d'ailleurs on l'a évoqué, que c'était des merdes, hein, il suffit de traîner avec eux de façon pour s'en rendre compte, ils sont nazes, ils sont bidons, sauf un. C'est un musicien. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire la musique donc du générique du Foot 2010, c'est ça? Donc on vient de finir les batteries. On a fini les basses. Et on vient de finir la première partie rythmique de la guitare. On est obligé de le mettre ça ou pas? Non? Parce que ça m'emmerde après, j'aimerais surtout qu'on parle de moi.
J'ai dit c'est bon. Pour moi. C'est bon, trouvez Mathias. Ça fait 10 ans que tu filmes et t'es aussi musicien, donc merci de faire la musique. Bah c'est cool, ça me fait plaisir. Se demande souvent ce qui se passe après, notamment avec la police. Et bah écoute, heureusement que je cours vite. D'ailleurs, je cours très vite. Je cours trop vite. Et ça se passe mieux avec la police et parfois ça leur arrive même, d'ailleurs c'est arrivé récemment, de s'arrêter quand ils me voient avec le ballon, ils attendent que je leur tire dessus, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Tu veux leur tirer dessus? Attends, fais voir. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc je leur tire dessus pour leur faire plaisir. Tu vas? Tu filmes? Ouais. Vas-y, on va les enculer. Attends. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, tu sais, moi je bosse quoi, c'est du travail et c'est ce que j'aimerais leur dire, ouais, c'est que je bosse, donc ben, qu'on nous laisse bosser quand même. Allez, dégagez. Allez, dégagez. Filez, casse pas le clou. Laissez-nous travailler. Mec, dégage. Dégage. Je suis content. Vas-y. Je comprends que ça vous choque, que ce soit hallucinant de voir des choses comme ça. Je comprends que ce soit hallucinant, mais ça c'est parce que je maîtrise. Allez, ça c'est fait. Dis-lui si on le voit ou pas. C'est bon, on te voit plus. Quand tu veux. T'es content de toi? Le connard.
Putain, c'est incroyable. C'est Zizou. Putain, il est lourd. Il veut que je vienne jouer avec lui demain. Je sais pas si j'irai. Tu viens ? On y va ?